vous l'avez dit à soir, je l'ai dit au début du show. Ce soir, c'est le soir de l'agence. Oui, les petits minables vont dire que c'est 2 en 4. Non. C'est pas 2 en 4. Parce que à soir, garde la récolte. Allez, la récolte, hein, Jeff? Hey! Marcus Jeff! T'es où? À soir, là, l'agence a montré que c'était la faction la plus dominante de l'histoire de la NCW. Le 26 mars, à scène de crime, qu'est-ce qui va arriver? Ça va être la fin! Hey, on s'en va tout beaucoup ou quoi, là? Ouais, c'est clair. Mais ça, yes. Mets ça sur Twitter, ben. Yes. On se cache, yes. Mesdames et messieurs, encore une fois, Mike Gibson a amené le changement avec lui ce soir. Mais il y a quelqu'un qui n'a pas été d'accord avec ce qu'il a vu. Derek, je sais que tu n'as pas aimé ce que j'ai fait à ton partenaire, mais j'ai entendu entre les branches que à Crime Scene, ça va être moi contre toi. One-on-one dans le ring. Le changement, Derek, tout le monde te voit comme le futur gros lutteur, le futur big man. Mais devine quoi? Il y a un nouveau big man dans la place. Lucky, de quoi tu t'es mêlé à soir? Pas de tes affaires. Crime Scene, ah, c'est parti signer le contrat. Crime Scene, amène ton petit partner de carte de Québec, Judas. Puis on va te casser la gueule. On va finir ça là à Crime Scene. Puis on va mettre la greffe autour de ton cadavre dans le ring. Assois, Mike, comme tu l'as dit. Je pensais ruiner votre party, mais malheureusement, je finis avec ça ma soirée puis plus de ceinture. Mais à 5 de crime, le 26 mars, moi, mon meilleur chum, Pat Gainet, yeah, Mark Andrew, pa! Ça va être... PA! Parce yeah! Que la crime scene, l'équipe gagnante, ça va être team PA! Avec un partenaire mystère, c'est qui? Vous allez le savoir le 26 mars. PA! PA! PA!